Cette balle ne va jamais atterrir par terre. Ça a raté. Les amis, aujourd'hui, on va parler, on va apprendre des choses, on va parler d'un truc que j'aime énormément, qui s'appelle l'effet de groupe. Souvenez-vous, il y a quelques mois, on avait sous forme de jeu pu parler de la théorie des jeux, voilà. C'est un jeu qui a été développé par Nicky Case, et en gros, Nicky Case, c'est un mec qui aime bien, à travers ses jeux, apprendre des choses aux gens. Il fait de la sociologie, essentiellement. Aujourd'hui, on va en savoir plus sur l'effet de groupe. Qui n'a jamais été un gros connard au milieu d'un groupe? Parce qu'il est influencé. Vous voyez ce que je veux dire? Ou à l'inverse, qui n'a jamais été influencé positivement par son groupe? Bref, bienvenue sur son autre jeu qui s'appelle La sagesse et ou folie des foules. Et ça va être très intéressant, moi en tout cas c'est un sujet que j'aime bien, encore plus que la théorie des jeux même. On y va, ça a été traduit par Clem Kerua, merci Clem Kerua, on t'adore tous, c'est faux. Sir Isaac Newton était plutôt sûr d'être un malin. Après tout, avec l'invention du calcul différentiel et la théorie de la gravité, il aurait dû être assez intelligent pour des investissements financiers, non? Pour faire court, il a perdu 4 600 000 dollars dans la folie spéculative nationale appelée la bulle de la mer du sud de 1720. Comme il l'a dit ensuite, je peux calculer le mouvement des corps célestes, mais pas la folie du peuple. Et oui, tu peux prévoir des maths, sauf que le comportement des gens c'est très complexe et c'est très difficile à prévoir. Bien sûr, ce n'est pas la seule fois où les marchés, institutions ou des démocraties se sont détraqués. C'est la folie des foules. Et pourtant, au moment où on perd foi en l'humanité, on trouve des gens qui s'organisent pour se porter secours lors des ouragans, des communautés qui trouvent des solutions, des gens qui combattent pour un monde meilleur. A contrario, ça s'appelle la sagesse des foules. Ça montre qu'un même groupe peut se comporter très très mal entre eux, ou alors ils peuvent à l'inverse avoir des super comportements et se tirer vers le haut, et tout ça, ça dépend de ce qui les entoure. Alors, pourquoi certaines foules sont folles et d'autres sont sages? Aucune théorie ne peut tout expliquer. Mais je pense qu'un nouveau champ d'étude, la science des réseaux, peut nous guider. Son idée centrale pour comprendre les foules, il ne faut pas regarder les individus, mais leur connexion. On sortira de cette vidéo, on sera moins con. Si vous la quittez avant, bah vous serez plus con que celui qui l'a pas quitté. Après, je dis pas ça pour vous regarder jusqu'au bout, je suis pas en train de vous influencer d'une manière ou d'une autre. Bah, on passe à la suite. Dessinons un réseau. Chaque lien représente une amitié entre deux personnes. Lui, il est copain avec lui. Qui est copain avec lui? Ce sont tous des amis et même eux peuvent même être copains. Et là du coup il y a vraiment tout le monde qui est copain avec tout le monde. Regardez, je relis tout le monde à tout le monde, c'est fou. Dans la vraie vie c'est jamais comme ça, vous avez forcément croisé des potes de potes, voire des potes de potes de potes de potes. Et on peut des fois couper un lien entre des individus. Touk 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 touk. J'ai fait un bruit de c'est pas sorcier, c'était naturel. Les connexions sociales servent à bien plus qu'à faire de jolies images. Les gens se tournent vers leurs connexions sociales pour comprendre leur monde. Par exemple, les gens regardent leur père pour savoir quel pourcent de leurs amis, sans se compter eux, sont disons de gros buveurs. Dessinez, effacez des connexions et regardez ce qui arrive. Ok. Donc on a un schéma avec 4 personnes. Eux deux ce sont des buveurs. On voit ici que lui il regarde juste lui. Que lui c'est un buveur. Donc lui bah 100% de ses amis sont des buveurs. Et si on le relie je suppose à quelqu'un qui ne boit pas, hop le taux change. Seulement 50% de ses amis sont des buveurs parce qu'il n'y a plus que lui. Et s'il regarde hop le deuxième, paf ça va être 33%. Ça c'est assez simple à comprendre. Mais où veux-tu en venir Nicky Case? Cependant les réseaux peuvent tromper les gens. Comme la terre peut sembler plate car... Arrêtez. J'ai fait un AVC là. Tout comme la terre peut sembler plate car on est dessus, des gens peuvent se faire une image fausse de la société car ils en font partie. En gros dans la vraie vie c'est pas du tout aussi simple que ça, mais dans la théorie l'idée est bonne dans ce qu'il est en train de présenter. Par exemple, une étude de 1991 a montré que presque tous les étudiants d'université ont rapporté que leurs amis buvaient plus qu'eux. Comment cela se peut-il? Eh bien vous allez inventer la réponse vous-même en dessinant un réseau. Il est temps de tromper tout le monde. C'est le moment du puzzle, faites croire à tout le monde que la majorité de leurs amis sont de gros buveurs, même s'il y a deux fois moins de gros buveurs. C'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup plus ici de non-buveurs que de buveurs, ils sont que 3 les buveurs sur un groupe de 9 personnes. Mais si tous les non-buveurs regardent les buveurs, bah qu'est-ce qui se passe? Eh ben il va croire que la plupart de ses amis sont des buveurs, alors que pas du tout. Donc là, tous ces gens pensent qu'ils sont uniquement entourés de buveurs, alors qu'on voit que pas du tout. C'est terrible. Ce que vous venez de créer s'appelle l'illusion de la majorité, qui explique également pourquoi les gens pensent que leurs idées politiques font consensus, ou pourquoi l'extrémisme semble plus courant qu'il ne l'est. En gros, c'est une question de point de vue. Si on regarde beaucoup plus les gens qui sont extrémistes que les autres, eh ben on va avoir l'impression que la majorité est extrémiste, alors que pas du tout. Seulement avec les réseaux sociaux et tout, comme les extrémistes ils gueulent énormément, bah on les voit beaucoup. Alors que ceux qui sont pas extrémistes, ils gueulent moins, donc on les voit moins. Mais les gens n'observent pas simplement passivement les idées et comportements des autres, ils les copient. Nous allons donc maintenant regarder ce qu'on appelle les contagions. J'adore! Dessous, nous avons une personne rouge avec un chapeau, avec une information, une fausse info, une fake news comme on dit. Et tous les jours, cette personne répand la rumeur comme un virus à ses amis, qui la répandent à leur tour à leurs amis, et ainsi de suite. Comme la gaffe que j'ai fait dans ma vidéo sur la Terre plate, où j'ai dit que sur la Lune c'était l'ombre de la Terre, alors que pas du tout, c'est juste sa propre ombre à la Lune. J'espère que vous l'avez pas répété à vos amis, sinon je suis responsable d'une fake news. Malgré le nom négatif, les contagions peuvent être bonnes ou mauvaises, ou neutres ou ambiguës. Il y a une grande preuve statistique que fumer, la santé, la joie, les motifs de vote et les niveaux de coopération sont tous contagieux. Et même des preuves que les suicides et les fusillades en sont également. Wow. Donc on imite bel et bien ce qu'il y a autour de nous, c'est comme les chiens. Ah bon, Natsu, je le vois, il apprend en apprenant autour de lui. Dessiner un réseau et lancer la simulation afin que tout le monde soit infecté par la contagion. Bah en gros, il suffit juste de relier d'un trait les différents groupes de personnes et ensuite le travail va se faire tout seul quoi. À balancer des fake news de la bande de salopes. Pardon. Vous rendez compte, parmi un groupe de 20 personnes, il suffit juste qu'il y en ait une qui ait reçu l'information pour la répandre à tout le groupe. Et ensuite, il va y avoir une bonne partie du groupe qui va lui-même le répandre à d'autres groupes qui vont même. Ça va très vite une fake news, c'est terrible. Cependant, cette simulation est fausse.
Ah ! La plupart des idées ne se répandent pas comme des virus. Pour beaucoup de croyances et de comportements, il faut être exposé à la contagion plus d'une fois pour être infecté. Ah ! Il faut qu'on nous dise l'information plusieurs fois avant qu'on l'avale et qu'on la transmette nous-mêmes. C'est intéressant ! Les chercheurs en réseau ont trouvé une meilleure nouvelle manière de décrire comment les idées et comportements se répandent. Ils l'appellent les contagions complexes ! Maintenant, simulons ce qui arrive quand les gens commencent à boire quand plus de 50% de leurs amis boivent. Avant de démarrer, essayez de deviner ce qui devrait arriver. Ok, donc là, la différence avec le premier jeu, c'est que un non-buveur, s'il a plus de 50% de ses amis qui sont buveurs, il devient lui-même buveur. D'après moi, ils vont donc tous finir buveurs. Ah non, lui, il a deux amis, autant pour moi, je me suis planté sur le dernier. Lui, comme il avait trois amis, clac clac clac, et qu'il n'y en a qu'un des trois qui était buveur, il bloque. Donc il stoppe la contagion. C'est un héros! Contrairement à la précédente contagion des fausses rumeurs, cette contagion n'atteint pas tout le monde. Les premières personnes ont été infectées car bien qu'elles n'aient été face qu'à un gros buveur, celui-ci représente 50% de leurs amis. Oui, ils sont solitaires. Attends, avoir deux amis, c'est déjà mieux que zéro? Ok. Non, moi j'ai plus que deux amis quand même. Par contre, la personne à la fin de la chaîne n'a pas été infectée car bien qu'elle ait été exposée à un ami gros buveur, ça représente moins de 50% de ses amis qui sont des buveurs. Cependant, les contagions ne sont pas nécessairement mauvaises. Ici, nous avons un volontaire pour, je sais pas, sauver des gens lors d'un ouragan, offrir des cours à des élèves en difficulté du quartier ou quelque chose de cool de ce genre. Cette fois-ci, cependant, disons que le seuil est seulement de 25%. Les gens veulent se porter volontaires, mais seulement si 25% ou plus de leurs amis le font également. Alors, au lieu de tous regarder lui, je pense qu'il faut qu'ils se regardent entre eux. Oui! Les contagions complexes ne sont pas nécessairement sages, mais être sage est une contagion complexe. J'apprends cette notion de contagion complexe dont j'avais pas idée. C'est intéressant. Cette fois-ci, avec une contagion complexe, ce sera un peu plus dur. Essayez d'infecter tout le monde de sagesse complexe. En gros, je peux pas juste faire ça et relier, ça marchera pas. On va quand même le faire pour voir, mais en gros, ça va bloquer ici. Voilà, ça va se transmettre au premier groupe, puis ensuite, lui, il a trop de connexions avec des gens qui n'ont pas de sagesse pour que ça marche. Alors comment on fait? Pour que ça marche, je pense que ça doit être lui qui doit transmettre uniquement aux trois groupes différents. Et là, normalement, ça devrait pas marcher. Ok, à mon avis, il faut que les groupes se passent le truc entre eux. Mais il faut que le mec qui transmet le truc le transmette à chaque groupe, et non pas uniquement au premier groupe. Ai-je raison? Oui! C'est-à-dire que le mec qui est sage transmet ça à un groupe, le groupe le transmet à un autre, mais ça marche pas si lui qui est là au début le transmet pas aussi. Bon, vous vous dites peut-être qu'il suffit d'ajouter des connexions pour répondre à une contagion complexe ou simple, bonne ou mauvaise, sage ou folle. Mais en est-il ainsi? Eh bien, revisitons un autre puzzle précédent. Oh, Nikki Case, tu nous travailles les neurones, mon ami! Si vous appuyez sur démarrer, la contagion complexe va toucher tout le monde. Pas de surprise. Cette fois-ci, faisons le contraire de tout ce que nous avons fait avant, dessiner un réseau qui empêche la contagion d'atteindre tout le monde. Bah, il faut juste que tout le monde parle à tout le monde, je pense, hein. Est-ce que j'ai raison? Attention! Hop! Et ça bloque, bah oui! Bien qu'un nombre plus important de connexions va toujours aider à répandre des idées simples, cela peut gêner le développement d'idées complexes. C'est trop intéressant, je suis désolé. Clément, t'aimes bien? Réponds maintenant au montage. Non. Yes. Les gens à la NASA sont intelligents. Pourtant, en 86, malgré les avertissements des ingénieurs, ils ont lancé Challenger qui a explosé et tué 7 personnes. La raison, il faisait trop froid ce jour-là. En fait, les managers ont ignoré les avertissements des ingénieurs. Pourquoi? À cause de l'effet de groupe. Quand un groupe est trop uni, cela tend à être le cas au sommet des institutions, ils résistent aux idées complexes qui mettent en péril leurs croyances ou leur ego. Le petit dessin qui montre bien que quand tout le monde se connaît, c'est beaucoup trop uni et ça résiste beaucoup trop aux critiques ou aux avis extérieurs en gros. Donc à gauche, il n'y a pas assez de connexion et une idée ne peut pas se propager. Dans le groupe ici, on a le problème inverse. Il y a trop de connexions, donc on obtient une pensée de groupe qui est très très forte. Et au milieu, c'est à nous de trouver un juste milieu pour pouvoir répandre une idée complexe. En gros, la solution, c'est que dans un groupe, il faut qu'il y en ait qui ne se parlent pas. Je pense, hein. Ouais, c'est ça. Donc en gros, on obtient ici des groupes dans un groupe. Contrairement à là où c'est un seul groupe beaucoup trop uni et à là où il y a carrément pas de groupe quoi. C'est intéressant! Peu importe comment c'est formulé, les gens à travers les époques et les cultures arrivent souvent à la même conclusion. Une société saine nécessite un équilibre de liens à l'intérieur de groupes et de ponts entre des groupes. C'est-à-dire, pas ça parce que les idées elles peuvent pas se répandre, ni cela car l'effet de groupe s'y manifesterait. Donc quand quelqu'un arrive pour donner une idée, bah ça passera pas. Mais ceci, des groupes emboîtés les uns dans les autres. C'est-à-dire que t'as des individus qui font partie de deux groupes différents. Et il est vrai, ce mec là ça pourrait être toi, tu fais partie d'un groupe ici avec tes trois autres amis, mais tu fais aussi partie de ce groupe là où il y a d'autres amis. Qu'en est-il de la question du tout début? Pourquoi certaines foules deviennent sages et ou folles? Mais oui, en résumé, la folie des foules n'est pas nécessairement due à des individus mais à comment on est piégé dans la toile collante d'un réseau. Mais on ne doit pas négliger sa responsabilité personnelle car nous sommes aussi acteurs de cette toile. Ce que je vous disais quand on vous dit ça, c'est que ça a vraiment un impact de faire du bien autour de soi ou de faire du mal autour de soi, ça a un impact beaucoup plus grand qu'on imagine. Donc pour améliorer vos contagions, soyez sceptiques des idées qui vous flattent, prenez le temps de comprendre les idées complexes. Et pour améliorer vos connexions, créer des liens avec des gens aux idées proches, mais aussi au-delà des fossés culturels et politiques. Les grands triomphes et tragédies de l'histoire sont causés non par des gens fondamentalement bons ou mauvais, mais par des gens qui sont fondamentalement des gens. Neil Gaiman et Terry Pratchett.
Et ben les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'est hyper intéressant et effectivement, pourquoi il y a des groupes comme ça où ça se tire vers le bas et pourquoi il y a des groupes où ça se tire vers le haut. On a vraiment un impact autour de nous, on se rend pas compte, même sur des trucs qui nous paraissent loin de nous, sur lesquels on se dit mais non, ça sert à rien que je fasse ci, que je fasse ça. Mais si mec, parce que si tu le fais, les gens autour de toi peut-être qu'ils vont le faire aussi, et peut-être que les gens autour d'eux vont le faire aussi, et peut-être que les gens autour d'eux vont le faire aussi. Tout se répercute, c'est un peu l'effet boule de neige. En tout cas, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Passez voir le site de Nicky Case, il y a d'autres jeux dessus et c'est vraiment hyper intéressant. Je trouve ça génial. J'espère que ça vous aura un peu plu. La prochaine fois, on sera là pour se taper des barres, vous en faites pas. Mais là, voilà, j'avais envie juste de jouer à ce jeu, quoi. Et plutôt que de jouer seul chez moi, je trouvais ça cool de vous en faire profiter. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu. Et si vous voulez d'autres vidéos comme ça dans les mois à venir, pourquoi pas. J'en ferai peut-être une par mois, une vidéo où on apprend des trucs. Ça fait du bien un peu, je trouve. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour des trucs un peu plus drôles, pour péter en vidéo. Voilà, tout l'inverse. Je suis horrible. Comment je peux faire deux trucs si différents d'une vidéo à l'autre? À très bientôt.